Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Et donc je disais, dans le dernier épisode, on s'apprêtait à chasser peut-être un wapiti légendaire. Alors pour l'instant, vous me voyez courir à travers champs comme un connard. C'est parce que je suis à la recherche des indices pouvant me permettre de suivre la piste de cet animal. Oh, là. Parfait. Ah, j'ai cliqué sur des choses que je ne devais pas cliquer du côté de OBS. Voilà, c'est bon. J'imagine que c'est un caca, n'est-ce pas? En effet, un caca. Par où il est parti? Par là. Alors j'espère que le mouflon légendaire, je peux le headshot Ah là-bas il y a un deuxième indice. De quoi s'agit-il? S'agit-il encore de caca? Alors c'est pas du tout ça que je voulais faire. Des traces sur l'arbre. Par là-bas. J'espère que je peux... Le one shot à l'aide d'une flèche. Ah. Là-bas, nous avons une autre piste, un autre indice à examiner. On a également des choses à ramasser ici. De l'amande sauvage. Cueillons-la. Donc c'était là. Oh, de la fourrure. On doit pas être loin. Alors je veux bien, mais s'il est parti par là-bas, on va jamais réussir à le capter. Ouais, parce que là, où est-ce qu'il est censé être? Oh putain, je l'entends. Et juste par là derrière. Vous l'avez entendu, les petits clop-clop? Et voilà! Incroyable! Je vais pouvoir faire l'amulette corne de mouflon.
Ainsi que donner ceci au trappeur. Formidable. Formidable. Oh, oh le jeu. Oh, je suis désolé. Oh le con. Hop. Oh, vous avez rien loupé, j'ai tué un mouflon. J'ai tué un mouflon légendaire. Bon, vous vous doutez, ça ressemblait à un mouflon. Je lui ai mis une flèche et il est mort. Voilà, hein, rien de... voilà. Je veux dire, c'est rien non plus de bien dingue. C'est rien. Je suis sûr que vous vous en remettrez d'avoir loupé ça. Ah, désolé. Ah, oh, c'est bon. C'est rien. Vous avez déjà vu un mouflon, non? C'est jamais, allez voir sur Google. Mouflon. Dans l'image. Et puis vous verrez à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous essayerez de taper mouflon dépecé. Et vous verrez à quoi ça ressemble quand j'ai récupéré sa fourrure. Bon, bah super. Du coup, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller là-bas. Pour me fabriquer ma mulette avec. Mais aussi amener ça au trappeur. Est-ce qu'il y a un trappeur, genre, pas loin? Où est le trappeur le plus proche? À l'autre bout du monde, c'est ça? À l'autre bout du monde. Eh ben, c'est parti. Et après, on va se relancer dans l'émission parce que la chasse, honnêtement, ça va bien 5 minutes. En fait, c'est dommage parce que je veux dire... C'est cool le fait qu'on puisse faire de la chasse, et de la pêche, et de la cueillette et tout. Mais... Ils auraient pu rendre ça moins relou, en fait. Je trouve. Ouais, parce que en vrai, c'est chiant. En vrai, suivant l'animal. Oh! Attends, reviens. Parce que ça, c'était quoi? C'était un serpent, c'est ça? Il est parti par là. Comment il est mort? Je l'ai même pas tiré dessus. Quel miracle est-il mort? Alors voilà, bonne question. Ouais, du coup, je disais, c'est dommage parce que franchement, chasser, moi, ça m'excite. C'est super, vous voyez, c'est. Le fun est total et absolu. Cependant, ils ont rendu ça extrêmement chiant, en fait. Et ça, c'est dommage. Pour ça que là, ça me saoule et qu'on va aller continuer l'émission. La quête principale. Mais bon, c'est dommage, je trouve. Oui, c'est pas ta faute, tout ça, tout ça. Allons chez le trappeur. Faudrait peut-être que mon cheval, je lui donne un peu des trucs, hein.
Tiens, regarde une carotte. On avance, on avance. Poète. Putain, mais ce chemin de l'infini. Hein. On y arrivera un jour, c'est promis. C'est long. C'est long, mais les distances, putain. Oh là. Oh, il y a l'autre bout du monde, ce trappeur de mort, là, je déteste. Hein, brosser mon cheval, et gna, mais ça aussi, hein. Ultra relou, hein. Alors, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un dindon. Oh, le lapin! Oh putain, dommage. Failli shooter le lapin. Ouais. You think you a lawman? Go to hell! Hey, you ain't got no business being here. You don't like visitors, huh? Oh yeah, real clever. Get out of here, fool. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que je pourrais savoir ce qui s'est passé? You better turn heel right now, you hear me? If I shoot you, I ain't gonna miss. Paf. Voilà. Pourquoi il y a une musique chelou?
Parce qu'il y a des morts? Il y a des morts donc musique bizarre ou comment ça se passe? On continue notre chemin. Hein. Comme si rien ne s'était passé. Oh le lapin. On y est presque. On est presque arrivé. Je pense qu'on peut se permettre de couper. Bon, ça on le vend. Donc ça on le vend. Peau de mouton légendaire pour confectionner des vêtements. Et bah c'est super. Maintenant, il faut que j'aille faire mon amulette vers le receleur qui est là-bas. Receleur, pardon. Tagada, 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 tagada. Vers l'infini, hein. C'est un peu un simulateur de balade à cheval, finalement. Non, mais sans deck. Ouais, meuh! Hop là! Bonjour! Fabriqué! Amulette corne de mouflon. Paf! Avec corne de mouflon, la cueille d'étain sauvage d'origan et de menthe sauvage permet d'en ramasser deux fois plus. On a aussi le talisman Serdale et l'amulette égale d'iguane. Ah, les hosters du grand chasseur, ma faible. La cartouchère de fin tireur. Et le holster d'explorateur. Très bien. Sortons des 12 menus. Voilà. Et allez. On va aller direction ceci afin de se faire la quête. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même qu'on avance. Il faut qu'on aille. Allez, hein, on avance des missions parce que bon, la chasse, chasse, pêche et biture, c'était sympa 2 minutes. Hein.
pense que YouTube on a assez. Je sais que vous en avez marre YouTube de la chasse, j'en ai conscience. Y a pas de souci, on va arrêter. On va faire les missions. On va faire les quêtes. L'aventure. Tagada vers l'infini et au-delà. On va dormir avant. Histoire de partir en mode ultra chaud quoi. C'est moi. Allez, nous y voilà. Allez. Hop. On va le brosser. Parce que apparemment fallait le brosser. Comment je fais pour savoir quand c'est bon, il est assez brossé? Regardez, ils disent que je dois le brosser, mais putain, en fait, faut brosser pendant 1000 ans. Bah alors? Ouais, un mec qui est venu me casser les couilles, du coup je peux plus m'occuper de mon cheval, c'est ça? We make more money and before they even realize that we're here, we're gonna be gone again. And after that, I ain't losing to these fools, Arthur. You know me better than that. We get to work here. We make money. Bienvenue à toi, The Swede. Et merci pour ton follow. Ouais, ouais, c'est bien, ouais, raconte ta vie. Je veux brosser mon cheval, en fait.
Ah, laisse-moi tranquille, je veux juste brocher mon cheval, moi. C'est mon seul but. Et comment on fait pour savoir quand c'est bon, là, c'est brossé? Non, mais vraiment, je comprends rien à un jeu. Hein. J'en peux plus. Hein. Écoutez, on va lui donner un petit bonbon, comme ça, il serait content. Tiens, petite carotte, cheval. Petite carotte. De la bardane. Ok, moi j'aurais préféré donner une carotte, mais bon, tant pis, hein, apparemment, c'est pas moi qui ai choisi. Donc j'ai donné mon bordel et on va se reposer avant de enfin arrêter avec la chasse et continuer les missions. Parce que la chasse ça a bien 5 minutes. Paf. Alors ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Et ça c'est cadeau. Ah mais de rien, mais de rien. Alors par contre il fait hyper chaud là où on est. Donc peut-être qu'on va changer de vêtement. Putain, je fais 12 choses à la fois. Mais je m'en sors, je m'en sors. Je suis quelqu'un de très organisé. Hop, paf. Paf. Voilà. Petit dodo jusque le lendemain matin. Histoire de partir. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Herbs for seasoning. Would you Mmh. mind grabbing them for me? Mais y a pas de souci. Yes. Don't tell Mr. Pearson. Okay. I'll see what I can do. Tiens, j'en ai plein en fait. Si, si, tu vas déranger parce qu'en fait, t'as plein de trucs. Tenez de l'origan. Est-ce que t'es refaite? Putain, elle s'en bat la race et elle s'en va. Mais connaisse. Remercie-moi quelque chose, non? Oh putain, oh, j'ai peut-être sortir. C'est pas parce que t'as une bouteille à la main que je peux pas t'abattre. Très bien, et bah je lui ai donné ce qu'elle voulait, maintenant, maintenant ma vie, elle en a rien à foutre quoi. Wow. Super. Non, non, laisse-moi tranquille toi. Je veux me reposer comme jamais. Dormir jusqu'au matin pendant 13 heures. Hein. Moi j'en ai rien à foutre. Le bon dodo de 13 heures. Ah. Ok, je suis ultra chaud. Bonsoir. Ultra chaud pour continuer ces quêtes, du coup. Ah mais attendez, au final. Je l'ai sur moi, mon amulette? Ah oui, je l'ai de toute façon. Toutes mes amulettes, je les porte sur moi, j'imagine. Ok, je vois. Oh, la chevalière en argent et la pépite d'or, enfin, peut-être que j'allais les revendre. Mais on le fera après, plus tard, ok? Faisons les quêtes. Please, come on, you brought me in, help me. Je vais te menacer. Don't cry, boy, speak about your gang. I can't. Parle de Dieu. Avoue tout. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a while. Horseshit! You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh yeah! Oh yeah, trop bien! Je vais le castrer, le fun! Salut à toi, The Sweet. Je
Phoenix was among the happiest and most loyal of courtiers. Oh mon dieu, ça va être horrible. Cachez vos yeux, les enfants, s'il y en a. Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Comment vas-tu, Zuzweta? I know where old Driscoll's hold up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Ah, quelle bonne idée. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. No offense. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Gilded. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. You sure as shit was. John, Bill, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. Passing you. Okay! Sharing saddle with an old Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an old Driscoll. J'ai terminé le jeu, il est trop bien. Ah bah écoute... You smell like... Pour l'instant, à vrai dire, mon avis est mitigé. Hein. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Parce que pendant quelques heures, je me suis amusé à faire de la chasse et tout, et honnêtement... non mais brosser son cheval sur toutes les deux secondes, on s'en bat la race. Enfin, arrêtez. Moi je trouve qu'ils nous ont fait chier avec des mécaniques là, qu'on a rien à branler. Non mais sinon l'ambiance est cool. Pour l'instant j'ai pas vraiment d'avis, je verrai une fois que j'aurai fini le jeu. On va prendre de sentier dans les rochers, quelle bonne idée. Ah. How you holding up, John? Fine. Still ain't right, but I'm fine. You damn well should be after all that bed rest. Hey, all right. Abigail wouldn't let me up. You know her. She won't be reasoned with. Well, when you was having a failure of reason, and hiding behind your woman, we were getting shot at. Watch it, you big lout. Ah oui, j'en suis qu'au début. Mais tu sais, moi, je suis le genre de mec qui, dès le début, a essayé de finir le camp. De chercher tous les animaux, tout chasser et tout. Parce que voilà, quoi. Voilà, et genre là, il me semblait que quand on appuyait sur hommage, ça suivait le chemin tout seul. Sauf que c'est à moitié bugué. Ah, puis là, regardez, je fais des ronds, mais sans raison. On va dire que le jeu est super. Mais je trouve qu'ils ont voulu faire tellement de choses dans ce jeu. Que du coup, si tu commences à un peu trop creuser, il y a beaucoup de choses qui sont à moitié buggées en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas si bien que ça. C'était comme moi et que t'essayes comme un connard. Et que t'essayes comme un connard d'aller voir le moindre recoin et de faire la moindre chose, tu te rends compte que finalement... Finalement, t'as pas mal de problèmes à vouloir faire tout ce que tu veux. Tellement grand qu'il y a des bugs. Bah oui, mais dans ce cas, ils avaient qu'à le faire moins grand. Je répète encore une fois, devoir brosser son cheval parce qu'il est sale, qu'est-ce qu'on en avait à foutre? C'est pas grave si on pouvait pas le faire, hein, vraiment. Moi, personnellement, je m'en serais remis, quoi. Tu vois, il y a plein de choses qu'ils auraient pu réduire. Parce que finalement, c'est plus casse-couille qu'autre chose, je trouve. Non, mais en vrai, il est excellent. Il est clairement excellent. Mais bon. Eh putain, et voilà. Mais pourquoi t'es parti en vrille?
Qu'est-ce qui t'a pris? As we find them, try not to set things off. But if we do, we move quick and hard. We settle this like we know how, okay? J'aurais dû faire la vue cinématique comme ça, j'aurais suivi le truc tout seul. Et puis ça aurait très bien allé. Mais bon, nous on veut pas des cinématiques, nous on veut jouer au jeu. Si on n'a même plus besoin de poser la main sur le clavier. I'll get my guns off my horse and I'm ready. Easy, Bill. Ah, tout doux, Bill, tout doux. Bah, c'est la description est de mise. D'accord. Hop. Un arc. Des couteaux de danser. Des couteaux. Et ça, si jamais la description. Si jamais on a un problème. Si jamais la description ne se passe pas exactement comme prévu. The cabin's just the other side of this hill. Okay. Off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Ah oui, il est descendu d'un coup, mais moi je voulais l'attacher près d'un arbre et tout pour qu'il bouge pas et tout, pas de soucis. Apparemment, on se bat la race. We ain't friends. Remember, I'm watching you. Ouais, moi aussi je te surveille. Je sens qu'il va nous la mettre à l'envers. Ok. Les gens sont accroupis, mais en fait, on s'en bat la race. Très bien. Où est-ce qu'ils sont? Ah oui, je vois. Ah oui, tout à fait. Un camp. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. And Cormo Driscoll? He'll be holed up in his cabin. Be passed out, booze blind. On pourrait aussi tout péter à la dynamite, non? Bon, c'est une autre solution qui me paraît pas mal. Let me think. The fellow that spooked the game, I reckon. I'm gonna drain it. I'll catch up. No, we ain't gonna fall for that. We're gonna wait so you can tell him yourself. Yeah, yeah, yeah. If anyone's actually gonna shoot the messenger, it'd be that mean son of a bitch. Mm-hmm, yes, sir. Come on, shake it off. Come on. What are we doing about the pisser, Morgan? One by the tree. Je m'en occupe. I'll deal with this first fella. Okay, go to work. We're here. Get to it, then. You hold him there. Don't give him a chance. Don't worry, I won't. Ok. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Est-ce que... Alors, attendez, parce que là, on est en train de s'avancer dangereusement. Alors déjà, on va sauvegarder, avant toute chose. Ah, très bien, on est de la baise. Il y a une interaction pour quand on arrive derrière un mec ou pas? Ouais, parce que si j'arrive vers lui et que je le colle comme un connard et qu'il n'y a pas écrit F pour tuer, je vais avoir l'air con, tu vois. Donc est-ce qu'il y a un bouton d'interaction pour tuer un mec de derrière? Ou est-ce que... ou pas? C'est une information qui me paraît importante dans un cas comme ça. Putain, dites-moi qu'il y en a un parce que je suis en train de tellement me rapprocher. Ok, il y en a un, parfait. Ok, donc là c'est le bordel. Ok, ça s'est mal passé au final. Paf! 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 Paf!
Ok, très bien. Ah, putain d'arbre. Ok, faut avancer. Putain, il y a encore plein de monde là-bas. Hors de question qu'on le laisse s'enfuir. Bon, finalement, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Hein. Vous tournez à la cabane. Pas de soucis, mais avant toute chose... J'allais dire avant toute chose, je vais aller fouiller les corps, mais apparemment, échec de la mission. Non mais, vous inquiétez pas quand je ne serai plus en bêta. Non mais arrête de tirer avec ça. Attendez, c'est lui là qui est en train de s'enfuir. C'est mort mon gars, tu fuis pas? Je peux fouiller celui-là au moins. Ah. Bon, encore une fois, tout est parti en vrille. Hein. Mais tout le monde est en train de douter en fait. Ouais les gars, on va se calmer là. Putain, mais comme ils se jettent sur le loot. Non mais les gars. Putain, ils ont tout dépouillé. Les mecs. Oh les bâtards. Ah putain, ils sont plus rapides que tes potes sur WoW quoi. Waouh. Ah les mecs direct. Ah c'est parti choper le loot quoi, hein, ça t'attend pas. Hein. Hop, ils font genre, oh vas-y, va acheter un coup d'œil là-bas, tranquille, t'inquiète. Putain, mais les vieux rapaces quoi. Bon, on sort de deux pistolets.
Allez, putain, je... Bah oui, bah en même temps, ouais. Sure. Thank you. Como Driscoll. He ain't here. Mm-hmm. You set us up. Le mec, il vient de te sauver la vie. You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then, go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. I'm letting you run away. Now, go on. Get out of here. That's as good as killing me. Out there, without you, Como just was gonna lose his mind about this. So? So I'm one of you now. Give me a break. All right, then. Mec, oh putain, ok. Let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash in the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp quick. See, Arthur? Yeah, I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing just yet. Yeah, right you are. Alors oui, mais avant. Par contre, il y a le logo d'un flingue. Pourquoi ? Est-ce que son flingue est si important ? Attendez, on va dégager ce machin. Hop ! Et là, le flingue t'intéresse ? Non. Le flingue est bugué. Ok. Y a pas de souci. Y a pas de souci. Quand je serai plus en bêta. Ah, de l'élixir. Parfait. Merci. Ah, des plombs, des balles et tout, voilà, bah oui. Oh, je dis oui. Bon, on a enfin eu un peu d'action, hein. Ça fait du bien après, après 52 épisodes de chasse. Ça fait du bien de faire autre chose, quoi. Au bout d'un moment, disons qu'on commençait à s'emmerder quand même, quoi. Ça commençait à devenir très chiant. Oh, de l'argent. Bah ouais, carrément, ouais. Oh là là, les bifetons! Alors attendez, j'ai pas envie de tous les prendre parce que je me dis. Ah, quoique, allez. Non, mais je me disais, si je les prends tous. Ils vont passer quelque chose et il va y avoir un truc que j'aurais pu ramasser, que j'aurais pas ramassé. Enfin. Ah, vous me connaissez, hein, le souci. Moi, je suis un homme. J'ai pas envie. Pas envie de douper quoi que ce soit, quoi. Petit médicament. Encore des plombs. Super. On servait bien niveau munitions, hein, si on avait un doute. Fusil à double canon. Contre quoi? J'ai une vieille carabine à répétition. Bon, là, je dis oui. Hein. Mais oui, mais je sais. Bah oui, je sais. Je sais comment ça marche, merci. Le tuto pour le nettoyage qui est venu bien après. Ah, c'est ça de partir à aventure sans faire l'émission principale. Hein. Les tutos viennent après qu'on ait déjà découvert pas mal de choses. Eh ben écoute, merci. Un fusil à double canon, moi ça me fait plaisir. At least you got something tucked away. 600 dollars, en effet. Plutôt sympathique. Okay. Incroyable. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je dois tout simplement rentrer au camp. Ah, en théorie, on devrait avoir Dutch. Mais, ce qu'on va faire, c'est rentrer pour donner à la bouffe, parce que je crois que j'avais oublié de donner toute ma bouffe de mort. Dutch, on va pas aller le voir, hein. On va d'abord aller voir Ravière à l'autre bout du monde. Parce
que Dutch, c'est clairement, c'est sûr que c'est de la quête principale, tandis que le ravière qui est à l'autre bout du monde, que j'ai depuis 1000 ans, c'est certainement de la quête secondaire. Donc évidemment, qui dit quête secondaire dit extrêmement intéressant et on fait ça en priorité. Tagada, Tagada. Le vendeur de journaux n'est toujours pas là. J'ai l'impression qu'il pop de manière aléatoire de temps en temps et j'arrive jamais à le choper, donc ça me saoule. Bonjour. Ah, moi aussi, je suis content de te revoir. Arthur. Ah. You ever forget your name, mister? Ouais, des fois, oui. Sure. See? We're made for each other. I mean, as friends. I knew it. There's a big crazy fellow with a gun, and I'm a little crazy fella. Can't afford a gun no more. Stick with him, Jimmy, I said. And then I said, your name ain't Jimmy. It's Mickey. The fella I was talking to in my head. Even he didn't want to talk to me no more. Il voulait plus parler, putain. I'll see you around. I've gotten real confused. Très bien. Ok, salut, hein. Ah, c'est trop mon pote, j'adore ce mec. J'adore ce mec. Il me régale. Même le mec à qui je parlais dans ma tête, il en avait marre de me parler, putain. Oh. C'est triste. C'est affreux en fait. C'est vraiment horrible. Chaque fois qu'il arrive au camp, en fait, quand t'arrives tout, chaque fois arriver au camp, c'est incroyable. Là. Tout le monde s'insulte. Ouais, c'est qui? C'est moi, enculé. Ah, j'adore cette ambiance. Suzanne, vous avez essayé une récompense dans votre tenante. Très bien. Eh ben, j'irai regarder ça. Une lettre a été. Oui. Sniffing about. Mary? Yes. I never liked that woman, Mr. Morgan. Funny business. Mm-hmm. On va aller parler à... Sorry, got nothing for you. Alors dans ma tente, j'ai une lettre, une récompense... C'est la fête dans ma tente. Il faudrait qu'on aille parler à Marie. Alors, examinez les lettres. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me, or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck, and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time.
I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Oh mon Dieu! J'ai une waifu, incroyable. Par contre, y a pas une meuf qui m'avait laissé un cadeau? C'est quand même pas la pommade pour cheveux nulle. Ah, une fleur. Waouh. C'est la fleur, le cadeau qu'elle m'a laissé, l'autre, là? Ouais, parce que si c'est le cas... C'est un peu de la merde. C'est un peu nul. C'est un peu nul, madame. Enfin, c'est gentil, hein, c'est une fleur, mais bon... Putain, mais c'est quoi? Il y a un point sur ma carte et ça me saoule. Camarade. Thank you, Mr. Morgan, for sparing me like that. I'll work hard. I am not a bad fella. You'll soon warm to me. Just see that I do. Oh, you will. Boy. Thank you for saving my life. Well, yeah, of course. Ah oui, il y a des flèches. On va se recharger. On se recharge à fond. J'escalade carrément, j'en suis là quoi. Putain, des cocktails Molotov. Ah, je prends hein. Est-ce que c'est dans les vêtements qu'elle m'a donné quelque chose? Oh, équipement pour armes. Holster principaux. Ouais, bah j'ai déjà le holster d'explorateur, t'es gentil, mais... C'est quoi qu'elle m'a donné en fait, je comprends rien moi. Béatrice Morgan. Mmh. Non, ça c'est le morceau de journal sur le premier braquage. Oh putain, on le connaît. Au secours! Au secours! Au secours, ça y est, je sais pas ce qu'elle m'a donné, c'est en train de m'énerver. En fait, ça doit être ça, ça doit être ta fleur. Hein. Bah, c'est super, je suis super content. Et YouTube, je te propose de se retrouver dans le prochain épisode. On va aller voir Marie. On va aller voir apparemment une gonzesse qui a l'air de bien aimer. C'est parti. C'est parti. Des bisous.